Connaissez-vous la réponse à cette question? Pourquoi est-ce qu'il faut se convertir? Eh bien, la réponse est dans la parole de Dieu et on va l'entendre sous peu à l'émission La Parole Vivante. Bonjour, amis fidèles, et bienvenue à une autre émission, La Parole Vivante. Je suis certaine qu'aujourd'hui, il va y avoir des vies transformées suite à l'enseignement qu'on va entendre. Notre ami pasteur Régent Joly est toujours avec nous. Vous allez aimer son message, j'en suis certaine. Et j'ai la joie de vous interpréter un chant, un vieux chant traditionnel que vous allez sûrement reconnaître. Et aujourd'hui, on a un reportage sur un beau déjeuner de l'espoir. Vous allez aimer ça. Alors, n'oubliez pas, vos commentaires sont importants pour nous. On veut entendre vos belles questions aussi. On va s'en servir dans nos émissions. Alors, vous pouvez nous contacter au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez visiter notre site web. C'est espoir.ca. Mes amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est une joie pour moi d'animer ces émissions qu'on fait pour vous et toute la joie, tout le bonheur que ça nous donne de partager l'Évangile avec vous et d'entendre prêcher notre ami, notre pasteur évangéliste Régent Joly. Je vous ai posé une question au début de l'émission. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il faut se convertir? Eh bien, on va demander à Régent. Régent, c'est quoi au juste se convertir? Je tiens tout d'abord à préciser, Caro, que c'en est une pour moi aussi, une grande joie de pouvoir t'assister dans le cadre de ces émissions Paroles Vivantes et de répondre aux questions aussi bien de l'équipe qu'aux questions de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que convertir? Que veut dire Dieu par une conversion? C'est un langage courant. Les gens s'imaginent parce qu'on prend la Bible, on parle de Dieu, que là, on sort comme de notre univers, puis on s'en va dans l'au-delà, dans quelque chose d'irréel. Mais c'est un langage courant aujourd'hui, convertir. Le dictionnaire nous dit c'est changer, tout simplement changer. Alors, vous êtes peut-être un régime carnivore, c'est-à-dire vous aimez manger de la viande, puis et vous allez changer pour un régime, alors on va manger des fruits et des légumes, donc un régime alors pour les végétariens. Ou peut-être changer de produit, vous êtes habitué à tel savon pour vous laver. Changer de produit, un autre, un nouveau savon. On vient de se convertir à une autre marque de savon. Même chose pour le détergent, les appareils ménagers, changer de voiture. Alors oui, j'avais tel modèle, je change de marque d'automobile. Alors je me convertis à une autre marque d'auto. Et c'est ainsi de suite. Et le Seigneur voudrait qu'on vive la même chose, expérimenter un nouveau produit. Un produit pour l'âme. Alors on a essayé peut-être toutes sortes de religions, de philosophies, de croyances, mais le Seigneur nous appelle à nous convertir à un produit unique en son genre, à une nouvelle marque aussi. Alors donc, une marque peut-être que, oui, on avait par le passé connu, par nos traditions, mais de retrouver ce que le Seigneur nous présente aujourd'hui comme étant modèle de vie, un nouveau régime de vie. C'est ce que la parole de Dieu nous offre, de changer pour le régime que Dieu nous offre dans sa parole. C'est ce qu'on va aborder tantôt. Alors avec les textes, avec la Bible à la main, j'espère que vous avez une portion des Saintes Écritures, si ce n'est la Bible, au moins d'avoir un Nouveau Testament. On va regarder ça un peu plus tard. Eh bien, merci, Régent. Tu donnes toujours tellement des bons exemples pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Alors, merci. À tantôt. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, je sais depuis 28 ans ce que c'est de se convertir.
Mais je pense que mon ami Régent est bien plus qualifié que moi pour élaborer sur le sujet. Alors, Régent, nous sommes toutes oui, on t'écoute. Un premier temps, se rappeler que veut dire le mot convertir, changement. Je crois que tous et chacun, on aimerait vivre des changements dans notre vie. Certainement. Et des choses qu'on aimerait améliorer, changer, modifier. Eh bien, Dieu parle de se convertir, c'est-à-dire de changer. Et puis de faire un changement avec ce qu'il nous offre. Vous allez voir, c'est très, très, très bien comparé à tout ce que nous pouvons posséder. Moi aussi, je me suis converti un jour. Et j'invite les gens à se convertir à ce que Dieu leur offre maintenant. Dieu parle de cette conversion. Alors, peu importe que vous soyez religieux ou non, pratiquant ou non, nous avons tous besoin de vivre une conversion, c'est-à-dire un changement. Et pas un changement à demi, à moitié fait, mais un changement radical. Et pas une modification. Non. Okay. Alors, un changement de tout en tout. Alors, changement d'opinion, changement de conduite, changement de vie. Ah, là, peut-être, il y a des oreilles qui commencent à s'élargir puis à être plus attentives. Aimeriez-vous changer de vie? Dieu nous offre un changement de vie. Et comme je vous dis, c'est 100%. C'est radical. Alors, en ouvrant la Bible, nous découvrons que nous avons des décisions à faire concernant notre vie présente et notre destinée éternelle. Alors, c'est pas seulement un changement pour la vie présente, mais un changement pour notre destinée, pour donc la vie éternelle, ce qu'il y a après la mort également. On peut changer, on peut modifier tout cela par un choix fait présentement, au moment présent. Le mot converti ou conversion, alors, il revient au moins 14 fois dans le Nouveau Testament. Alors, voyez que Dieu en parle, que Dieu invite l'être humain à se convertir, à changer. C'est vraiment important. 14 fois dans le Nouveau Testament, quand Dieu se répète comme ça, il signifie simplement de s'arrêter, de se retourner pour aller dans une autre direction, repentance, par le fameux changement de direction, mais changement également de tout ce que nous pouvons voir et contempler. Si je regardais en arrière, ben, je vois les rideaux, je vois la fenêtre. Si je regarde en avant, je vois mes téléspectateurs sous forme de caméra, mais ils sont là. Je sais qu'ils sont là, mais je change ma façon de voir les choses. C'est carrément changer ma vision. Et c'est la même chose, un changement. Alors, c'est un acte volontaire, une conversion. C'est une décision que je prends, alors de l'être humain entier qui se fait donc se détourner d'une manière de vivre. La Bible appelle cela se détourner du mal afin maintenant d'accepter le bien ou la justice que Dieu m'offre à accomplir pour lui. Hey là là, c'est merveilleux. C'est tout un changement de vie. Dans Actes chapitre 3, un premier verset que nous pouvons lire, Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Alors, si vous avez une Bible à la maison, vous allez feuilleter, prenez-le en note, Actes 3, versets 19 et 20. C'est l'apôtre Pierre qui prêche, qui dit « Repentez-vous, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et le verset 20, je l'aime autant que le 19, qui dit « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Dieu a annoncé des temps nouveaux, de nouvelles choses qui se présentent en la personne de Jésus-Christ. Un lien très important à faire ici avec l'Évangile, bonne nouvelle, conversion. Maintenant, il y a une personne qui est placée au centre de cette conversion. Dieu dit, tu veux vivre un rafraîchissement spirituel, tu veux avoir une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon dans ta conduite, Jésus-Christ. Oh, les regards commencent à se tourner vers la personne que Dieu nous envoie, que Dieu nous a envoyé et qui nous place devant nous. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Il y a un texte qui nous dit ça dans l'Ancien Testament. et on espère que les gens vont pouvoir avoir ce rayonnement de joie dans leur visage quand on tourne nos regards vers lui, vers celui que Dieu a prédestiné d'avance. Alors donc, la Bible peut parler d'un langage aussi de nouvelle naissance ou régénération. Alors, une nouvelle vie qui s'installe. C'est l'homme qui se détourne de son péché pour se tourner vers la seule unique solution que Dieu offre, son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on revient à lui. Exact, par Jésus-Christ. C'est un choix. Je tiens à préciser, c'est un choix que nous devons tous faire un moment donné, un moment ou l'autre dans notre vie. La Bible parle de la plus grande tragédie. La race humaine n'a jamais vécu. C'est la tragédie, c'est le choix d'avoir abandonné son Dieu. Ça a été fait. Bien, quand est-ce que j'ai fait ça? Ça a été fait en Adam et Ève. Là, on recule dans le passé. Genèse chapitre 3. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Ce sont les origines. Et nous voyons donc cette grande tragédie que la race humaine a vécu tous ensemble en Adam. Adam a fait un premier choix. Il a fait son choix, c'est de délaisser Dieu, d'abandonner Dieu, de se détourner de Dieu.
Et par la foi même, ça a entraîné toute la race humaine, donc de vivre sans Dieu, autrement dit, de faire un choix de s'en séparer. Oh là là, c'est vraiment une tragédie, comme tu dis. Mais qu'est-ce qu'on fait pour revenir à lui une fois qu'on est séparé? Une grâce. C'est par le moyen de la grâce. C'est une grâce. C'était Dieu qui intervient dans l'histoire de ma vie, dans l'histoire de l'humanité. Il vient à la charge pour chacun d'entre nous. Il nous appelle maintenant, nous invite à nous convertir, à revenir vers lui et de profiter de ses bons soins. Il y a deux questions qui a été posée à l'humanité suite à cette tragédie, suite au choix de l'homme en Adam, il va s'en dire. Deux questions de la part de notre Créateur, de la part de Dieu, que nous pouvons lire également toujours dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, dans le contexte de la désobéissance, de la révolte, rébellion, péché. Dieu revient à la charge à l'instant même, puis il dit, « Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi as-tu fait cela? » Alors, l'être humain, autrement dit, devrait constater qu'il s'est séparé de Dieu par un choix qu'il a fait, qu'il s'est éloigné de Dieu. Alors, il doit réaliser l'état spirituel dans lequel il se trouve, séparé d'avec Dieu. On a un texte du Nouveau Testament qu'on cite, Romains chapitre 3, verset 23, qui dit... Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Séparé de Dieu. C'est la condition spirituelle de chaque être humain. Alors, notre âme est éloignée, séparée. Alors, étant séparé par le choix de l'homme, il nous invite maintenant à prendre cette décision de nous convertir vers lui. Romains chapitre 5, verset 12. Allons lire l'Épître aux Romains, une lettre de l'apôtre Paul, qui résume assez bien le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et Romains 5, verset 12, alors, donc, il fait le lien avec Adam. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On pourrait marquer ici, par un seul homme, la séparation est entrée dans le monde. Oui. Alors, donc, par cette séparation, donc, cette mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu, la mort ou la séparation s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et je rajoute à ça les versets 17 et 18, toujours du même chapitre de Romains 5. « Si par l'offense d'un seul, la mort ou la séparation régnait par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Lui seul, encore une fois. Jésus seul. Alors, seul par Adam, l'homme, la race humaine s'est retrouvée dans une situation d'éloignement, de séparation, de perdition, mais par Jésus seul, par l'abondance de la grâce que Dieu offre aujourd'hui à chacun d'entre nous, nous pouvons revenir, prendre une décision de nous convertir, de revenir à un vrai sens à la vie, de trouver le but, le pourquoi de mon existence en Jésus-Christ. Verset 18. Changement total. Changement total, Caro. Et ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, ce qui nous ramène encore à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix, cette crucifixion, cette mort, il a été séparé à notre place. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme Adam entraînait tout le monde à la perdition, à l'éloignement, Jésus-Christ peut ramener ceux qui se confient en lui maintenant. Alors, voyez encore le choix, la décision qu'on a à prendre. Alors, donc, à faire, se décider de retourner vers Dieu par Jésus-Christ. C'est l'acte par lequel nous pouvons revenir à Dieu. Par la crucifixion, par ce que Jésus-Christ a subi à ma place, il a été séparé de Dieu à ma place. Est-ce que c'est le seul choix pour tout le monde? Le seul choix pour tout le monde. Il vous demande de revenir vers Dieu, vers lui, par le seul unique moyen, le seul chemin. Et savez-vous que plusieurs personnes se convertissent au Christ? C'est merveilleux d'entendre plusieurs ça. Plusieurs personnes se convertissent. Depuis que le Seigneur accorde cette grâce à l'humanité, des milliers se sont convertis à Christ. C'est le produit, si vous voulez, que Dieu nous offre aujourd'hui afin que nous puissions bénéficier pleinement de la vie abondante et de la vie éternelle. La Bible enseigne la nécessité de la conversion et moi, j'en suis certain, j'ai vécu la mienne un jour. Je me suis converti à Christ. Ah, c'est merveilleux. C'est le seul choix pour tout le monde. Alors. Pour tout le monde. C'est pas compliqué. Un Dieu besoin n'est pas compliqué. De conversion. Dieu ne complique pas les choses, mais l'humain, malheureusement, se complique. Parce que si nous ne nous convertissons pas à Christ pour aller vers Dieu, il y a des conséquences à tout cela. Tout d'abord, on continue à vivre notre vie misérable. Qu'on le veuille ou pas, il faut caractériser notre vie de misérable, notre présent. Vous savez, avant que je me convertisse, ma vie était, en quelques mots, en résumé, naître au monde, souffrir, mourir.
Imaginez, c'était ce qui caractérisait ma vie avec ce que je voyais autour de moi. Puis encore aujourd'hui, toutes les nouvelles qui nous sont propagées par les médias, que ce soit à la télé, à la radio, qu'est-ce que nous entendons? Alors, destruction de la couche d'ozone, flambée de violence, trafic de drogue, tuerie, de la malhonnêteté partout, hein, de la pollution, alors que ce soit spirituelle ou autre, ou matérielle, des problèmes écologiques, des pauvres, la pauvreté, alors une répartition des biens qui est pas équitable pour tous et chacun. Alors, il y a une liste longue et pénible. Ah. Et j'en sais quelque chose parce que j'étais moi-même lecteur de nouvelles dans les années 80, dans nos médias, et tout ce que je rapportais aux gens, c'était des mauvaises nouvelles, c'était décourageant, déprimant. Il y en a même qui disaient « j'ai plus le goût de vivre ». Il y avait le dégoût de la vie. C'est tellement rare qu'on entend des bonnes nouvelles. Mais en voilà une. Hein? On en a veut une. Très on bonne. Peut changer tout cela. On peut changer ce mode de vie en acceptant celle que Dieu m'offre, cette nouvelle façon de vivre, cette conversion. Alors donc, oui, pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? Oui, mais Régent, si une personne pense qu'elle est rendue trop loin, qu'elle n'a pas la force de changer, est-ce que la Bible a une solution pour elle? Beaucoup de gens sont frustrés, confus. Ils souffrent dans leur être intérieur, ils ont un vide intérieur que la Bible appelle. Alors, ils ont des péchés sur leur conscience, ils ne sentent même plus la force de résoudre leurs propres problèmes. Et parfois, ils vont même jusqu'au suicide. Exact. On va aborder ça dans une future émission également, le suicide et comment y remédier. C'est pas la solution pour l'être humain de s'enlever la vie, ce n'est pas la solution. La solution, on l'a devant nos yeux, on l'a en toutes lettres. Convertis-toi. Accepte le produit, le remède que Dieu t'offre présentement. Hein? La Bible dit que tous ont péché, tous ont privé de la gloire de Dieu. On l'a cité tantôt dans Romains 3, verset 3, 23, c'est ça? Alors, admettre que nous avons tort. Tout simplement, admettez que vous avez utilisé jusqu'à maintenant le mauvais produit. Vous n'avez pas réussi à avoir les résultats voulus. Hein? Alors, écoutez, si pendant des semaines, j'utilise un détergent, puis je vois que mon linge reste sale, est-ce que je vais demeurer avec ce produit-là? Je vais changer, je vais essayer une autre marque, un autre produit qui est sur le marché. Et c'est la même chose. On a essayé toutes sortes de choses pour essayer d'améliorer notre sort, pour essayer d'améliorer notre condition de vie. Mais c'est la vie en tant que telle qui doit être changée. Et Dieu est prêt à faire cet échange. Donne-moi ta vie qui ne fonctionne plus, la vie de péché, et je t'offre la vie, la vraie vie, celle que j'ai vécue ici-bas sur terre. Je te l'offre maintenant, une vie sans péché, une vie qui est acceptable auprès de Dieu. Ouais. C'est merveilleux d'entendre ça. Alors, convertissez-vous. C'est simple. Changez de direction à l'égard du péché. Tournez vos regards vers Jésus et vous serez rayonnant de joie. Recevez le salut qu'il veut vous donner aujourd'hui. J'aimerais chanter pour vous un chant. C'est en anglais, mais écoutez bien ce que ça dit. C'est pas difficile à comprendre. C'est un vieux chant traditionnel que vous connaissez bien d'ailleurs. Fears relieved.
snares I have already come. Oh, oh, oh. Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Maintenant, voici un reportage d'un merveilleux déjeuner de l'espoir. Vous allez voir une vraie conversion. Chers amis, vous êtes cordialement invités à assister à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir tout à fait gratuitement. Ce déjeuner vous est servi par une équipe formidable des membres de l'Église baptiste évangélique de Beauport. Ils se mettent en branle, en action. Ils deviennent des serviteurs et des servantes du Seigneur qui vous offrent un service remarquable dans l'amour de Dieu. Afin de pouvoir partager avec vous un copieux déjeuner, alors donc, on vous accueille, on vous sert le déjeuner et par le fait même, on partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? C'est ce qu'on partage avec nos invités. Ça se fait dans la camaraderie, alors avec la joie et l'amour de pouvoir vous accueillir dans ce que Dieu vous réserve de plus grand, sa grâce. C'est-à-dire donc une présentation qui va vous mettre à l'aise. Oui, c'est ce qu'on veut faire avec nos invités, les mettre à l'aise dans cette salle du restaurant. L'équipe est là pour vous accueillir, l'équipe de l'Église baptiste évangélique de Beauport. Pour de plus amples renseignements et pour réserver votre place, vous appelez, vous composez le numéro de téléphone suivant 666-3600. Et voilà maintenant cette partie musicale qui prépare nos cœurs à recevoir le témoignage, le message de Dieu. Avec musique, avec chant, on chante l'amour de Dieu. On l'exprime selon le don, selon les capacités que Dieu nous a données. Par la présentation, par le chant, et par le témoignage. Alors donc, faisons place à cet invité. Et cet invité, eh bien, comme vous avez le plaisir de l'entendre déjà à la radio, de le voir à la télévision, il se présente lui-même dans cette salle. Alors j'ai le plaisir, oui, de donner mon témoignage dans différents déjeuners de l'espoir qui se déroulent à grandeur de la province de Québec, et principalement dans la région de Québec, là où j'œuvre depuis plusieurs années. J'explique comment Jésus-Christ s'est fait connaître à moi comme mon Sauveur, mon Seigneur, et je lance une invitation tout à fait personnelle à chacun d'entre vous qui êtes présents d'en faire autant, de prendre cette décision, de faire ce choix
d'ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Un choix que j'ai fait moi-même personnellement, vous êtes invité à le faire. Et vous allez voir dans cette salle des gens qui, par un geste, par un signe, qui m'indiquent qu'ils ont été touchés par ce témoignage et qu'ils veulent en savoir davantage, qu'ils ont un intérêt maintenant vers les choses de Dieu, vers la parole et vers ce que Dieu leur offre, ce pardon, cette réconciliation par la venue de son Fils. On vous invite maintenant à deux merveilleux déjeuners de l'espoir qui vont avoir lieu à 9 h le 24 septembre. Il y a le restaurant Normandin à Orsainville, le restaurant Pizza Royale à Saint-Jean-Chrysostome. Alors, si vous voulez plus d'informations pour les déjeuners, allez à 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Maintenant, Régent, un petit peu de littérature à nous présenter encore aujourd'hui. Gratuitement, c'est ce que nous offrons à nos gens. Alors donc, un tract qui s'intitule « Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul ». Alors, c'est la conversion vers la personne l'unique qui peut nous donner la vraie vie abondante et éternelle. Et également, quelques définitions des questions fondamentales, tout à fait gratuites. Qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce qu'une conversion? Alors, on définit ces termes bibliquement. Alors, c'est gratuit, faites-nous-en la demande. Merci, Régent. Merci pour la bonne parole de Dieu. Et on vous retrouve à notre prochaine émission. Restez avec nous toute l'année, tout le temps. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. On a besoin les uns des autres. Bye-bye.